Petit aperçu de la cascade du Dard. La montée est très très raide. Mais c'est sympathique. Il y a des câbles, il y a quelques petits bouts de marche en métal. Donc ça se grimpe bien. Le vallon des tempêtes est un endroit très sauvage. Là il y a un petit chalet d'alpage. Tout petit peu plus haut il y a le lac vert. Sans doute parce qu'il est un peu vert. Voilà, c'est très joli. Mais ça se mérite. Premier lac de la tempête, le plus petit. Juste au-dessus, bien caché, c'est le petit lac des Besaces. Très sympa. Enfermé dans son écrin rocheux. C'est magnifique ici. Deuxième lac de la tempête. Il est grand celui-là. Et il est clair. Purée. Troisième lac de la tempête. C'est le plus grand, je crois. C'est pas le plus joli, mais il est sympa quand même. Ça vaut le coup ce vallon là. Le quatrième et dernier lac de la tempête. Il est joli celui-là aussi. Bon, après peut-être aller faire un petit tour du côté du col de la Louse là-bas. On va bien voir. Depuis le col de la Louse, ben, l'itinéraire est bien sympathique, très rocheux mais facile et bien carné. Si on tire un peu à gauche, on voit un gros cairn sur un petit col.
Donc il faut y aller, c'est sympa, parce qu'après on suit la crête. Et puis au bout d'un moment, on finit par voir le Grand Mont, avec ses appendices. Voilà, c'est un très joli itinéraire. La descente sous le sommet est très dangereuse, même pour un randonneur expérimenté, donc faut pas le faire. Après, je pense arriver vers le passage du Dard. On va voir où ça va. Depuis le passage du Dard, une grande partie de la descente se fait dans un énorme pierrier. Et ensuite, on suit descente à mouton qui arrive au petit chalet. L'abreuvoir m'a été salutaire vu que j'avais plus rien à boire. Voilà, c'est le chalet de Chizeru.